Garçon ? Oui, madame. Donnez-moi à boire. Mon numéro d'appel. Pourquoi est-ce qu'ils m'en veulent ? Mes chansons d'amour. Garçon ? Oui, madame. La même chose ? Non, vous avez des cigarettes ? Je vais voir. Si. Mario va le reconduire. Vous permettez? Il vous a fait peur? Il y a vraiment pas de quoi, c'est un type charmant. Santé. À votre. Vous avez compris qu'il se drogue? Quand il vous a quitté, c'était pour aller se piquer? Vous connaissez depuis longtemps? Non. Il s'appelle Bernard. Il était médecin à Versailles. J'ai soif. Ah, vous avez une touche avec Alan. Il vous quitte pas des yeux. Il en est au moins son 8e scotch. C'est la muse. Mario revient. Tombe des cordes. T'as réussi à le coucher? Oui, sa femme m'a aidé. Tu n'as pas trop râlé? En train de compter les lapins qui ont envahi sa chambre. Celui-là, quand il est comme ça, il voit des tas d'animaux tout autour de lui, sans compter ceux qui grouillent sous sa peau et qu'il essaie de tuer avec un cure-dent en or. Il vous a fait le coup, non? Vous écrivez, je sous-signé Elisabeth Étamble. Elle a écrit Betty, maître. Ah non, pas Betty. Elisabeth. Je sous-signais Elisabeth Étamble, née Fayet, 28 ans sans profession, demeurant 6 avenue Ruisdel à Paris, reconnaît par la présente, acceptée sans réserve, les conditions qui me sont proposées. C'est vendu. Quoi donc, mon petit? J'ai besoin de me saouler, excusez-moi. Bien sûr. Vous habitez les environs? Non. Paris? J'habite nulle part. Vous en voulez un petit? Votre admirateur, l'officier américain, il était là avec le chef. Il devait avoir 20 ans. Et maintenant, il est à la retraite, mais il s'est installé dans les environs. Et il vient ici presque tous les soirs. Vous pouvez écrire comme vous voulez, hein. Je marque Elisabeth à la place de Betty, puis j'ai pris le chèque. Et c'est parti. Je vous en fous.